Salut, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment dénuder les câbles électriques. On a des personnes qui le font au cutter. Moi je suis pas trop fan mais je vais quand même vous montrer comment on fait. Donc on a d'abord une gaine protectrice et ensuite on a l'isolant qui vient isoler les âmes de chaque conducteur. Alors on va venir comme ça, vous voyez, faire des petites entailles. Là, comme ça. Sauf que, vous voyez, le risque... Donc, on a la première protection et on en a une deuxième. Mais sauf que, vous voyez, je ne sais pas si on voit ici, le risque, c'est de faire ce que je viens de faire là, lorsqu'on fait au cutter, c'est de venir gratter un peu, ou même beaucoup, hein, l'isolant du conducteur. Et ça, c'est pas top. C'est pour ça que moi, je préfère travailler avec le Joukari. Le Joukari, c'est un petit outil comme ça, c'est écrit dessus, Joukari. Et en fait, on a un crochet comme ça, et là, on a une petite lame. Et en fait, et puis ici, on a une molette. Donc avec cette molette, on vient régler, comme ça, avec cette molette, on vient régler la profondeur de pénétration de la molette, qui permet vraiment de couper juste la gaine de protection mécanique de notre câble. Alors en général, avant de faire un câble comme ça, on s'entraîne sur une chute de câble, on règle à la bonne distance, hop, on dénude et on vient contrôler que ça ne vienne pas entailler l'isolant des conducteurs. Et puis une fois qu'on est bien réglé, seulement à ce moment-là, on vient sur notre câble. Donc là, moi je suis sur un câble. En fait, ici je vais avoir mon évier, mon lavabo. Au-dessus, j'aurai un miroir. Et puis, je vais mettre une prise ici. Si jamais on veut avoir un sèche-cheveux ou un rasoir électrique. Alors, pour couper, je vais vous montrer ici, ça sera plus simple. Voilà. Oui, et puis l'inconvénient de ça, vous voyez, c'est qu'on a fait comme ça. On a fait ça ici, mais après, on va aller plus loin. Donc. Qu'il faut faire, c'est après venir ensuite tirer comme ça, c'est pas toujours évident. Alors que avec notre Joukari, voici ce qu'on va faire, hop, on met le Joukari comme ça, un tour, deux tours, trois tours, ouais, et ensuite il suffit de le déplacer comme ça. Et là, voilà. J'ai un câble dénudé et j'ai pas entaillé mes conducteurs, mais l'isolant de mes conducteurs. Je vais le faire ici. Là, on a un petit peu moins de place, donc pour pouvoir le faire proprement, je vais devoir bouger mon câble. Là, là, et maintenant, voilà, là, et là maintenant, voilà, je vais enlever comme ça, et ça vient tout seul. Donc on peut le faire au cutter, mais le Joukari c'est quand même vachement pratique. Voilà, à plus tard, salut !